Venus, they all seem to need it. Dans 20 minutes. Dat moet je kan gebruiken op zijn crossfit ook. Bande des pupilles. Voilà, pupilles Jacques. Eh bien, on va les accueillir avec grand plaisir pour te dire que chez les pupilles, chez les poussins, ils étaient 70. Chez les pupilles, eh bien, encore une fois. Entrer ici sur le vélodrome. 110. Je te laisse le soin de commenter cette arrivée. Merci. Voilà, et bien une belle arrivée. En tous les cas, c'est un petit peu plus serré pour vous dire que et bien, cette arrivée des publics du 110 concurrents ont effectué et bien, quelques difficultés de Paris-Roubaix. Ah, le style est déjà bien en place. L'enfer du Nord pour les uns. En attendant, non, non. Avec Color Code Biovenze, et bien la Belgique, avec PCB Works, Soenens, Aernouz, Dirka Enouz, Steven Henry, le comité de Picardie et Pascal de Werth pour paquer MIBA, la formation belge. Voilà, on va demander d'ores et déjà, nous sommes à quelques 10 km d'ores et déjà de l'arrivée à tous les compétiteurs, quels qu'ils soient. Merci à Daniel et à tous les membres de Vélo-Club de Roubaix de bien indiquer. Ah, Manon, champion du Nord Pas-de-Calais. Ah, Manon. Eh, ça fait plaisir, hein. Et voilà, Manon Vandenbosch, félicité le petit pavé qui va bien, la petite coupe. Voilà, c'est la coupe de mini Paris-Roubaix. Mets-la bien devant toi, ma chérie. Voilà, comme cela. Eh oui, elle a tout compris. Manon Vandenbosch. Après, avec Tristan, eh bien, c'est Tristan Poussé. Il est troisième chez les hommes. Il y a Tristan avec le troisième, c'est Dossard numéro 18. Il a conservé, félicité au passage par notre ami Alain. Le deuxième, Arthur Flamand. Et puis Inès va lui faire le petit bisou. Voilà, c'est fait. Arthur Flamand, deuxième. Voilà, Arthur, félicité par Alain, et puis on va s'attendre, voilà,
Congratulations. Et puis... Voilà. Et le vainqueur, c'est le maire adjoint. Soria Redimi, merci. Madame le maire adjoint. Le deuxième, Arthur Flamand. Voilà, c'est fait. Et vainqueur, Timmer Van Michelem, le Belge. Il est venu, il est allé chercher la belle victoire. Il demande qu'une seule chose, vraiment, vraiment, les applaudissements. Ah, ça, c'est bien. Voilà, il a l'habitude. T'aurais préféré lui faire un petit bisou, toi, pour ça, je le sais. Je t'ai vu arriver. En tous les cas, Timmer Van Michelem, bravo, jeune coureur. Avec talent, le Belge, eh bien, il remporte dans la catégorie des pupilles la 22e édition du Mini Paris-Roubaix des écoles de cyclisme. Et Tatiana va le féliciter. Voilà Gloria, ce coureur belge. Voilà, c'est fait. Gloria Van Michelem, le même club. Ils ont l'habitude. Oh, alors là. Ah, oh, bah oui. Hein. Et, ça, c'est. Hey, président, on sait comment c'est. Hein. Vous en habitude, hein. Voilà, félicité, le petit pavé, tu vas bien. Allez, fais-le, Gloria, avec toi, précisément. On va te remettre. Tu as mis sur les épaules, ça, elle va être contente. Voilà, merci Alain. Et puis, Jean-Charles Canon, le président, Gloria, va te féliciter. Et je crois que la Belgique peut s'enorgueillir d'avoir une petite et belle championne, en tous les cas. Gloria Van Michelem. Ah, t'en as beaucoup de choses, hein. Voilà. C'est fait. Et troisième, c'est Jato Bleyenberg. Allez, eh oui, président. Ils sont venus. Et deuxième, Hugo, champion du Nord-Pas-de-Calais, c'est fait. Félicité. Vous avez vu, président, que tous nos coureurs belges saluent leurs coureurs et amis. Voilà, en tous les cas, Hugo Anani, bien sûr, félicité par le maire adjoint, Soria Redimi. Et puis pour finir avec Siebe Devinta, c'est comme ça que l'on dit, j'espère. Viens, viens, j'ai mal prononcé, en tous les cas, sois récompensé. Voilà, félicitations tous, ils sont comme ça. Merci, messieurs. Siebe Devinta. Et Sylvain, tu peux lui faire le bisou, hein. Sébène, fais-lui un petit bisou comme ça. Regardez un plateau international, Inès va le remercier, le féliciter. En tous les cas, Siebe, à Hugues, à Jadot et Gloria et Théo, en tous les cas, merci, merci, merci avec... We hebben nog meer sportnieuws, want twee jonge wielertalenten uit onze regio hebben zich afgelopen weekend in de kijker gereden. Zo heeft de 10-jarige Vlad van Mechelen uit Leefdaal gisteren Mini Parijs-Roubaix gewonnen. Voor Vlad is het de eerste internationale overwinning. De jonge renner uit Leefdaal toonde zich de beste op een parcours van 13 kilometer met 3 kasseistroken. In de sprint was Vlad duidelijk sneller dan zijn 5 meter vluchters. Vlad gunt zichzelf zo een vroeg verjaardagsgeschenk, want vandaag viert het wielertalent zijn 10e verjaardag.